Écoute, je suis complètement crevée, là. Et j'ai soif. Et j'ai aucune putain d'idée de l'endroit où on est. Alors vas-y, sois sympa et fous-moi la paix, ok? Tout va bientôt s'arranger. On est complètement paumé. Je vais crever de soif. Et on est vraiment dans la merde. Mais ça va s'arranger. Laisse-moi tranquille, Aiden. Quoi ? Ça va, Aiden. Y a pas de raison d'être nerveux. Je suis désolée de vous déranger. Je cherche juste un endroit où passer la nuit et je me demandais si... Tu peux pas rester ici. Désolée. S'il te plaît. Il va vraiment faire froid cette nuit. Et j'ai nulle part où aller. Écoute, je te promets que je serai partie demain. Je t'ai dit que tu pouvais pas rester. Tu dois partir maintenant. Sbazo, akuri nao, dobone, zarahe, edin ne. Ote ye, katnoa stad, bendako, edos kath, ado, bendago no dohto. C'est bon, tu peux dormir ici. Viens. Comment tu t'appelles? Jody. Je suis Paul. Voici mes fils, Corey et Jay. Ma mère, Shimasani. Ne sois pas surprise si elle ne répond pas. Elle n'a pas parlé depuis des années. On allait justement dîner. Tu veux te joindre à nous? Oh. Oui. Oui, merci.
pas beaucoup d'autostoppeurs ici. Je peux savoir où tu vas? En fait, tous les jours, je change d'endroit. Je me dis que si je continue assez longtemps, je finirai par savoir où je vais. Je vois. Vous êtes... des Navarro, c'est ça? Des Dinets. Ça veut dire le peuple en Navarro. C'est comme ça qu'on s'appelle. Vous élevez des chevaux? Ouais, des Mustangs. On a aussi quelques churros. Des churros? Des moutons. Oh. On vend leur laine et leur lait. C'est pas grand-chose, mais ça nous permet de vivre. Vous êtes vraiment loin de tout, ici. Ma famille vit ici depuis des générations. Je suis né ici. Et je vais sûrement y mourir. Je dis à mes fils de partir. Je sais qu'il n'y a rien pour eux ici. Mais ils veulent rester avec leur grand-mère et moi, alors. De quoi est-ce qu'ils ont eu si peur? Comme endroit, mais... T'inquiète pas. Demain, on sera bien loin d'ici. Bonne nuit, Aiden.
ici. Je t'ai dit de rester dans ta chambre. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Retourne au lit. Tu partiras demain. Tu avais l'air épuisé. J'ai dit au garçon de te laisser dormir. Merci. J'en avais vraiment besoin. J'ai fait du café. Je vais reprendre la route. Merci. On a vraiment beaucoup de travail à la ferme. Tu pourrais rester quelques jours et nous aider. Je ne pourrais pas te payer, mais tu aurais un toit et de quoi manger. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Oui, pourquoi pas? Il y a des vêtements dans la chambre de Corey. On se voit dehors ? Prête à bosser ? Je suis toujours prête. Les moutons ont besoin d'eau. Tu peux t'en occuper ? Bien sûr. Alors, tu vas rester un peu? Ouais, on dirait. Super! Je veux dire, c'est cool d'avoir de l'aide. Merci, Johnny. Oh, tu peux prendre du foin dans la grange? Aide-moi, Aiden.
Liden. Juste une botte, pas besoin d'embarquer tout le stock. Jody, on mange. Ok, laisse-moi juste terminer ça. Pose là où tu veux. Merci, Jody. C'est l'heure de manger. Va rejoindre les garçons si tu as faim. Vous venez ? Plus tard. J'ai encore du travail. Ok, à plus tard. Assieds-toi. Merci. Il y a beaucoup de choses à faire au ranch. Ouais. Jay s'occupe des chevaux. Moi, je surveille les churros et mon père s'occupe de tout le reste. Est-ce que c'est vrai que ta grand-mère n'a pas parlé depuis des années ? Ouais. D'après mon père, elle n'a pas dit un mot depuis la mort de mon arrière-grand-mère. Ça doit bien faire 30 ans. Tu sais, en ouvrant la porte hier soir, j'ai vu quelque chose. Je suis sûre qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas de quoi tu parles. C'était un rêve. J'ai vu les moutons morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? La tempête. Ils ont quitté l'enclos et ils sont étouffés dans le sable. Tu poses toujours autant de questions ? Quand je comprends pas quelque chose, ouais. Ouais ? Et si je te posais autant de questions ? D'où tu viens ? Ce que tu fais ici ? T'aimerais pas trop ça, hein ? Alors garde tous tes petits secrets. Et ne pose plus de questions. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Ah, oh, t'en fais pas, Jody. Il est cool une fois qu'on le connaît. Si tu le dis. Bon. Je ferais mieux d'y aller avant que mon père s'énerve. À tout à l'heure. Bravo, Jody. Thank you.
Y a autre chose à faire, Paul? Non. Mais les garçons ont peut-être besoin d'aide. Ok, je vais voir. T'as besoin d'aide, Cory? Non, pas vraiment. Je vais aller voir si Jay a besoin d'aide. Ouais, à toutes. Allons voir ce que fait Jay. Oh, oh. Fier et têtu. Il veut jamais entrer avec les autres. Ça t'ennuie que j'essaie? Tu es déjà occupé de chevaux? Non. Fais-toi plaisir. Il s'appelle Ashki. Salut, Ashki. N'aie pas peur, je vais juste venir par là, ok? Tout doux. Tout doux, mon grand. Tu vois, Ashki? C'est pas si mal, hein? Admets-le. Tu m'aimes bien. Eh, Aiden? T'as jamais voulu monter à cheval? Emmène-le à l'enclos. Comment t'as fait ça? On a tous nos secrets, non? Je t'ai peut-être mal jugé. Si tu veux prendre une douche, c'est derrière la grange. Les dames d'abord. Je dis pas non. Et après, le gars est parti en courant. Et vous savez quoi? On l'a plus jamais revu. Il est l'heure d'aller au lit. Qu'est-ce qui se passe ici?
veux dire, pourquoi on doit verrouiller la maison? Va dans ta chambre, Johnny. Et n'en sors pas, quoi qu'il se passe. Tu te souviens du mouton hier soir? Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Jodie, je t'ai dit de rester dans ta chambre. Tu aurais pu te faire tuer. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi ce truc? Tu aurais dû m'écouter. Et rester dans ta chambre. Non, vous devez me dire la vérité. Vous devez me dire la vérité maintenant. C'est Yeitsu. Il veut du sang. C'est tout ce qui l'intéresse. On ne peut rien y faire. On ne peut pas vaincre un esprit. Les esprits ne vivent pas dans ce monde. S'il est ici, il y a une raison.
Tu te souviens, Ashki? On est potes, pas vrai? Je vais juste poser mon pied dans l'étrier et grimper, ok? Il faut que je comprenne comment avancer. Hey, qu'est-ce que t'en dis, Ashki? On se débrouille pas mal, hein? Ce cheval va devoir me dire ton secret. Écoute, je vais au pâturage pour voir les churros. Tu m'accompagnes? Bien sûr. C'est parti! Yeah! Écoute, je sais que t'as pas envie d'en parler. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé hier soir. Ton père connaît cet esprit. C'est pas la première fois qu'il vient, pas vrai? Yeitso a toujours été ici. Il vient la nuit pour voler des âmes. Les anciens disaient que... nous sommes maudits. Que c'est le prix à payer pour vivre sur ces terres. Est-ce que l'esprit vient toutes les nuits? Il peut venir plusieurs nuits et ne pas se montrer pendant des mois. Mais il finit toujours par revenir. Maintenant, à moi de te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu fais vraiment ici, au milieu de ce désert? On dirait que tu essaies de fuir quelque chose. Je crois que j'essaie juste d'oublier. De prendre un nouveau départ. Peut-être que... j'essaie de me fuir moi-même. Tu es comme nous. Tu as aussi un terrible secret, pas vrai, Jody? J'ai... j'ai quelque chose à te dire. Jay! Jay! Ok, des cloches! Oh, Shaja? Tu peux pas chier? Ah, il y a un chien de riche. C'était Paul. Il n'y a pas d'eau au ranch, le puits doit avoir un problème. J'y jetterai un œil en revenant. Je peux aller jeter un œil si tu veux. Bah. Je sais pas si tu pourras faire grand chose. Je me débrouillerai. Dis-moi où est le puits. Il est là-bas. Il a une éolienne. Tu peux pas le rater. Ok. On se retrouve au ranch. D'accord. À tout à l'heure.
joué, Aiden. La pompe refonctionne. M'a amené ici. Tu vois quelque chose, Aiden ? Elle a massacré les soldats du fort. Est-ce que c'est Yeitso ? Je dois le trouver.
j'ai vu dans mes visions. Des masques rituels. Celui-là n'a pas de talisman. Le cinquième talisman. Il l'a mis autour du cou du bébé. Aide-moi, Aiden. Il faut que je voie ce qui est arrivé. Tout a défilé trop vite. J'ai rien pu comprendre. J'ai l'impression que tout est mélangé. On dirait qu'il manque quelque chose. Je vais montrer le talisman à Paul. C'est peut-être quelque chose. J'ai réveillé de vieux souvenirs. J'aurais jamais dû venir ici. J'amène jamais rien de bon avec moi. Mmh.
Aiden a fait ce qu'il a pu. Le reste dépend de vous, Paul. C'est celle qui était sur ce bébé. Ma mère me l'a donnée. Comme sa mère avant elle. Elle m'a aussi donné ceci. Le cinquième talisman. Bien regarder, mémoriser tous les détails. Vos ancêtres. Ils invoquaient Yeitsu ici. Ils étaient perdus, pleins de haine envers l'homme blanc. Ils l'ont appelé pour tuer leurs ennemis et prendre leur revanche. Mais ils sont moqués à eux. Il avait encore soif. Soif de sang. Yeitsu est revenu. Il est là pour prendre nos vies. Vos ancêtres, ce sont les gardiens qui protègent la maison, pas vrai? Ils ont compris leur erreur, alors ils sont revenus pour nous protéger contre le mal qu'ils avaient libéré. S'ils ont amené l'entité ici, enfin, il doit bien y avoir un moyen de la renvoyer dans son monde. Ils ont suivi un rituel pour ouvrir le passage. Je me souviens encore de l'incantation, mais le rituel s'est perdu dans le passé. Je l'ai vu. J'ai vu le rituel dans ma vision. Je vais le préparer et vous pourrez m'aider à dire l'incantation. Fais vite! Il arrive. Un feu. Je dois allumer un feu juste devant la maison. Shima-Sani, tu peux parler? Vite, Johnny! Tu dois trouver un bâton pour tracer les signes! Maintenant les talismans.
Je me rappelle où se trouvaient les chamans. Jody! Shimasani! Aucun homme blanc n'est jamais allé à l'endroit où je t'emmène. Mon peuple y enterre ses morts depuis plusieurs centaines d'années. Pour nous, c'est un lieu sacré.
Ce sont les ossements de vos ancêtres. Je suis sûre qu'ils auraient souhaité être enterrés auprès de leur peuple. Alors c'est décidé. Tu t'en vas. J'ai quelques trucs à régler. Vous savez, je pensais que mon don était une malédiction. Mais j'avais peut-être tort. Je pourrais m'en servir pour aider les gens. Et trouver qui je suis vraiment. Tu as fait beaucoup pour nous, Judy. Pour nous et la mémoire de notre peuple. Je ne sais pas comment te remercier. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, reviens ici. Tu es chez toi. Tu vas me manquer. Toi aussi, Corey. Je t'oublierai jamais. Ashki va être très triste sans toi. Mais un jour, je reviendrai le voir. Hey, Jody! Même pas y aller à pied ici. Ça m'a pris un peu de temps, mais je l'ai fait redémarrer. Vas-y, prends-la. C'est notre façon de te remercier. Merci.